Ben, elle fait droguer dans le quartier de pute. À Tokyo. Oh, à Hong Kong. Hong Kong. Une grosse saisie en ce moment, mesdames et messieurs. On est où, man? On est où, man? Ah, t'as-tu une cigarette? Le poil. Ouais. Moi, je suis à Saint-Tite. Tite m'a saoulé en face. On veut savoir, et toi? Ah, c'est... Wow! Man, c'est exactement comme dans mes rêves. On s'en va. Ouais, on s'en va. En ce coin de pays consanguin, ouais. On veut savoir, est-ce que toi et le poêle, là, ouais. C'est de quoi qui est important pour toi? Il a commencé à me traiter de poêle, là, puis tout le monde voulait se battre à cause de ça. Fait qu'on est à la recherche de gens. Pour voir. T'es-tu down? T'es-tu ce genre de gars-là? Ouais. Ouais? Pis quoi que tu manges en ce moment? Une bonne poutine, même. Es-tu vraiment bonne? Ouais, normal. Mettons niveau prix, est-ce qu'elle vaut? Ouais, vraiment. Ouais? Goody, man. Ah, j'ai une dans ma jeune. Toi, Goody, man. OK. Pis comment tu y donnes? Oh, la sauce est solide. J'ai fait environ 5000 litres de LSD. Je suis dépensé ma rêve. OK, mais est-ce que le poêle, c'est quoi qui est important pour toi? Ouais. Ouais? Ouais. C'est quoi, mettons, tes préférences? Pas de poêle. Pas de poêle? Ouais. Ben shape? Ouais, ben shape. Alright. Mettons, t'arrives, là, one night, pis la fille a 2 pouces de poêle, là. Hey, man, ça m'est déjà arrivé. Pis? Ben, j'ai sorti un rasoir, ben, parti à Christ. C'était à Tokyo. Ouais? Ouais. Mettons, le poêle, là. C'est mal! Amène du poêle! Amène-en du poêle! Ouais? Un calice du poêle. Fait qu'il y ait 6 pouces de poêle qui soit la jeune. Un calice. Ouais? Ok, c'est un vlog! Ben, fait droguer dans le quartier de pute! Ok? Yeah. Là, j'avais ramené une philippienne! Pis là, avec Chris, c'est grosse touffe, man! Pis là, ben, à un moment donné, man, on se prenait une douche, pis là, je suis comme Chris, t'as tombé une grosse touffe! Je m'a tracé ça! Fait que là, mon chum de gars, il rentrait en même temps, 9h le matin! Pis là, pis y'a une crise, pis partir à la course, ça c'est tout nu, ça. au beau milieu de l'autre. C'est vrai, pour vrai? Oui, je niaise pas. Ben voyons donc. Oui. À Tokyo. À Tokyo, non, à Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Non, c'était à Hong Kong, dans le quartier Wai Chai. C'est un quartier de pute de Hong Kong. Ok, sinon toi et l'inceste. Non. Non, tu fourrais pas ta sœur. Non. Mettons un groupe sanguin idéal, ce serait quoi, genre? Oh! Les autres, on... On s'en calisse! Ok, mais à soir, là, regarde, l'inspiration était plus ou moins là. Ok. Mais on est allé avec ce qui m'inspirait de Saint-Tite. Oui. On est allé avec le poêle. Le poêle? Ouais. Ok. Est-ce que toi, c'est, mettons... C'est surprenant comme inspiration, bah. Ouais, c'est ce qui m'inspirait. Ok, ok. Durant une relation sexuelle, mettons, est-ce que c'est important que ce soit bien rasé? Non, mais ça dépend à ce moment-là. Tu sais, je veux pas la forêt amazonienne, tu comprends? Mais, tu sais, s'il y en a un peu, c'est pas grave. Mettons la limite. 1.5 pouces, genre? C'est comment 1.5 pouces? Mettons, montre-moi ça, là. Un pouce, correct, un pouce et demi, c'est ça. Un pouce, mettons? Ouais, un peu moins, peut-être même. OK. Il en prend note. Gorgé! Fais rien du monde. OK, good. Là, c'est ça, shit. Ici, on est allé 2 fois au rodéo aujourd'hui. Les deux fois! On l'a pas payé! Mettons, toi, là, est-ce que c'est important le poêle chez une femme? Est-ce qu'il faut que ça soit comment? Ben, moi, personnellement, je m'en calisse. Ah, pas moi. Mais lui, il s'en calisse pas. Ah, non. Faut que ce soit bien rasé, big. Ouais. Ben shake. Bien rasé. Faut que ça glisse. C'est genre. Tu sais, quand tu fais des toboggans aquatiques, là, faut que ça aille vite. Faut que ça glisse. C'est quoi la limite de poêle? Ben là, tu sais. En centimètres. En centimètres? Moi, je serais plus allé en millimètres! Mais. 0.3 centimètres, genre. Tu sais, parce que 1 centimètre, c'est quand même big. C'est quand même là. C'est gros en tabarnak, 1 centimètre, là. Tu sais, c'est la fille à la mode de poêle. Fait que bien chaud. Ça s'arrache en plus. Tu sais, tu te retrouves avec une mode de poêle dans la main. Mais c'est excitant. Tu sais plus quoi faire. Absolument pas chier la poêle. La mode de poêle de Noon d'une fille. Est-ce que t'as une collection de poils de noun? Ben moi j'ai pas de collection de poils de noun. Poils pis les Les yo.
Oui. Les poêles pis les yo. Ils sont épurants, les yo, mais. Ah, les yo sont épurants. Faut que tu fasses attention. D'un côté, il y a les yo. Ils sont une trentaine dans l'école. On peut les reconnaître facilement. Ils portent souvent des casquettes et des pantalons larges. C'est important pour toi, un homme rasé aussi, ou... Ouais. Moi, avoir un 10 poêles de poignée, là. Ouais, 10 poêles sans langue, c'est casse. Il a commencé à me traiter de poêle, là. Peace out. Fait que c'est important pour mademoiselle. Ouais, correct. Et puis mademoiselle, elle a tient ça à combien? Wait a minute! Who are you? Ben moi, c'est bien bien coupé. Ouais. Toi, l'inceste? Ah, c'est pas important pour moi, ça. Non. Je veux pas ça, là. Fait que fourrer ton père, non, ton non, père, mais c'est ça, je veux pas ça, là. Ok, c'est... Ouais, c'est ça, je c'est disais. Non? C'est non. C'est ça, je voulais dire. Ben, les moi, deux fois, on est allé au rodéo aujourd'hui, et deux fois, on a pas payé. Pis ça, tu vas aller au rodéo, fuck ton billet. Ça, c'est ma femme. Ça, on est tous sous ben raide. Moi, j'étais à Saint-Tite. Tite m'a saoulé la face. Bien content de t'avoir. Hey, moi, là, ma wild de me checker sur TikTok, là, va être sous raide, là. Va être sous raide, là. Ah, voilà, être dégueulasse. Depuis pis toi, mettons, avec ta copine, est-ce que le poil, c'est quelque chose qui est important pour toi? Bah, moi, je m'en... On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon, zinzon. Cool. Mettons un pouce et demi. Fait qu'un pouce et demi, deux pouces. Ça dérange, mais moi, on veut savoir et tout. Ah, c'est... Wow! Man, c'est exactement comme dans mes rêves. Mettons, là. Ouais. Toi, là. Attends-moi, là. Le poil, là, c'est quoi qui te dérange, mettons, pour copuler avec une demoiselle, genre? Est-ce que c'est important qu'elle soit rasée ou... On y va de quelle façon? Intense, moyen ou réfugié? What the fuck? Réfugié. On y va comment que tu le feels, man? Comment que toi tu es, genre? Comment on y va peu, mais en bas de moyen. Bro, what are you talking about, man? Oh ouais, exactement. Fait. On y va en bas d'un pouce. Un bas. Oh. Mais mettons tes préférences, est-ce que c'est bien shave ou genre un peu de poil ou. Ouais. Un peu de poil? Non. Bien shave. Ouais, exact. Comme tu dis. Est-ce que toi? Le poil, c'est quelque chose qui est important durant une relation sexuelle. C'est le poil ou c'est rien? Le poil, mettons, ouais, c'est ça. C'est tout ou c'est rien. C'est forêt amazonienne ou rien, ben tout. C'est all-in ou rien. Comme au poker. All-in ou rien. C'est all-in ou rien. Je suis pas sûr de comprendre. All-in ou... C'est quoi, faut qu'il y ait vraiment beaucoup de poils ou il y en a pas ben tout? Ah, gros, si le gros, je peux pas me perdre là-dedans, là, je fais rien. Fait qu'il faut que ce soit la jungle. Ah, gros, si je... Sinon, cancel, man. Faut qu'il y ait du calice de poêle, man. Si il faut, ça prend une heure à m'aligner. Si, là, j'ai du fun. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Pas le goût de manger un coup de sabot, man. Toi, le poêle. Ouais. Ben, écoute, le poêle, je veux dire... Mettons, si tu me demandes en dessous de mes bras, j'essaie de le trimer pas qu'il ait l'air trop long quand je baisse les bras, mais tu sais, sinon, à part de ça, je m'en calisse. Ok, mais mettons une demoiselle, genre, niveau vaginal. Comment la prêteriez-vous, en fait? Ben, c'est sûr que c'est surprenant un peu, mais. Je veux dire... Qu'est-ce qui est surprenant, en fait? Je sais pas, parce que normalement, c'est comme une genre de coutume que en 2022, si tu couches avec quelqu'un, il faut que tes genitals soient rasés, fait. Y'a un genre d'affaire de comme, oh shit, ok, tu l'as pas fait. Ah, ok, c'est bon. Mais c'est quoi de... qui te dérange ou. I guess que non, si la personne elle joue de manière que c'est comme c'est normal, genre. Mais si elle joue de manière que c'est awkward, ça va virer awkward juste parce que ça n'a pas rapport. Dans le fond, ça dépend de la personne. On est en train de démonter ma tante, ils pensent que je l'ai volé, ils sont en train de marceler. C'est quand même de saisir ma tante. Je sais, j'ai acheté ça 60$ au Walmart. Et voilà. Si, comment c'est émaillé, ils pensent qu'on a volé ça. 60$ au Walmart, j'ai payé ça à la rue du camping. Un vrai de vrai, man. J'ai besoin d'un parapluie. Chris, c'est mon parapluie, ça.
Bon, m'a utilisé mon parapluie, merci. C'est la merde à quoi ça se passe? Qu'on brisait ma dent, que j'ai payé 60$, après je l'avais volé. Thanks, man. On avait un chapiteau, mais là, je pense qu'avec la police... Ça marche pas, là. OK, alors comment? T'es malade, mais... Merci, merci. Garde-les, ouais. Garde-les. Ouais. C'est ce qui conclut donc la vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi le savoir dans les commentaires ou juste en laissant un petit like. C'est toujours apprécié. Si t'es pas abonné, ben abonne-toi. Aussi simple que ça. Écoute, c'était vraiment très à l'improviste comme Vox Pop. J'étais arrivé là, pas de sujet, à genre 11h30, le dernier samedi de Saint-Tite. Fait que, veuillez me pardonner si vous vous attendiez à ce que j'interviewe un cheval, mais c'est pas arrivé. Je vais me reprendre l'année prochaine, on va se reprendre mieux. Je vais arriver là, enjoy 100% le festival de Saint-Tite. Puis là, j'étais avec ma femme, Amine la Murdoch, avec mon chum Louis, puis mon chum Gabtap. Puis là, Betty White est arrivé, on a sorti les sleds de montagne, 15 ouais. pouces de l'ail. On a quissé ça dans la panne. Vraiment, ma femme a viré à l'envers, viré à l'envers. C'est quoi ton plus grand fantasme? Oh shit. Fuck, man. Moi, je veux une cigarette. Ah, une cigarette. Subscribe, like, thanks de votre visionnement. Je vous aime. Attention à vous autres. Puis, c'est ça, man. Just...